La 10e conférence ministérielle africaine sur l'environnement a débuté ce jeudi à Abidjan, réunissant les Nations Unies, l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Cette rencontre vise à harmoniser les positions africaines pour restaurer les écosystèmes et lutter contre les sécheresses. Elle a pour objectif de faire le bilan des engagements pris lors de la COP 15 sur la désertification en 2022 à Abidjan et de préparer la COP 29 de Bakou. Une centaine d'organisations de la société civile ont appelé à un soutien financier accru pour s'adapter au changement climatique, en particulier pour la restauration des terres dégradées. Wisdom Kofi, président de l'association des jeunes volontaires pour l'environnement au Ghana, a souligné l'importance de réviser la loi semencière en Afrique de l'Ouest qui entrave l'accès des agriculteurs aux semences. De son côté, la Banque africaine de développement a annoncé un investissement de près de 6 milliards de dollars pour un programme de restauration des terres au Sahel, mettant l'accent sur la nécessité d'une agriculture durable.